L'événement d'aujourd'hui, c'est le 21e, c'est la 21e saison du Lac en Fête. Donc cette année, on a changé de place. On est remonté un petit peu vers le nord du lac pour avoir un petit peu plus de place pour l'ensemble de nos exposants et avec des activités qui sont un peu communes aux années passées. Cette année, nous avons, comme d'habitude, les chiens de Terre-Neuve. On a des promenades en paddle, on a un paddle géant et on fait quelques promenades avec les bateaux du club. Et une nouveauté cette année, on va tirer des cerfs-volants sur le lac pour attirer un peu l'attention sur l'ensemble des activités du lac. Donc on a 60 artisans qui sont présents aujourd'hui sur l'esplanade. Et ces artisans-là, on les a sélectionnés de manière à ce que ce soit des produits qui soient vraiment artisanaux, qui soient faits à partir de produits dérivés ou alors recyclés, mais vraiment de véritables artisans qui ont un produit qui puisse plaire à tout le monde. L'artisanat, en fait, de bois chantourné, c'est tout simplement créer des objets en bois. Le bois, je vais le choisir à la scierie directement. Je dessine mes modèles, je les découpe avec la scie à chantourner ici. Je fais des démonstrations sur les marchés et ensuite, du coup, je les ponce tout doux, je les peins, je les mets en vie, en fait, avec les couleurs et les paillettes. Voilà, donc objets de décoration pour la maison et les chambres d'enfants. Alors, les artisans viennent principalement de la région Aura, c'est-à-dire Rhône-Alpes. Des gens de l'Isère, on a des gens de Haute-Savoie, de Savoie évidemment. Et ce sont des gens qui sont habitués à venir au lac en fait depuis plusieurs années. Beaucoup d'entre eux sont présents depuis plusieurs années. Je prends de la pierre, je la broie comme du sable, auquel j'ajoute de l'eau et du ciment. Bien sûr, ce sont des objets qu'on peut mettre dans la maison et dans les jardins. Bien sûr, je fais des cadrans solaires, des scènes de vieux métiers, du Moyen-Âge, du religieux. Je peux aborder plein de thèmes, donc c'est agréable parce que j'essaie d'avoir de la création à des prix raisonnables. Au départ, on trouve un modèle qui nous plaît, hein, ça peut être du bois, de la céramique. Dessus, je crée une empreinte, donc je fais un moule. Après, je fais une contreforme et après, donc, bien sûr, je réduis ma pierre en sable, de l'eau et du ciment. Voilà, voilà. Donc ça permet d'avoir des objets qui restent autant intérieurs qu'extérieurs. Alors le décor, il est tout simplement splendide, c'est évident, c'est privilégié hein, comme endroit pour travailler. Les gens circulent, il y a du monde, la musique est agréable et l'organisation était parfaite ce matin.